Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Histoire et Conscience, émission interview aujourd'hui. Alors on a fait une tentative hier qui a été malheureusement un peu avortée, donc on va la refaire aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir se retrouver et je suis donc avec Daniel Chouchi aujourd'hui sur Histoire et Conscience pour que Daniel nous parle de son nouveau livre L'alchimie arabe. Mais d'abord, Daniel, bonjour. Daniel, on se connaît depuis très longtemps maintenant, ça fait depuis 2010-2011 à peu près. On a fait nos débuts sur Dailymotion à la même époque, et à l'époque tu étais archiviste, tu étais un spécialiste des archives en spiritualité. Tu avais une collection absolument incroyable de documents introuvables en tout domaine de spiritualité. Tu étais connu pour ça, pour être un référenceur de contenu spirituel classique, traditionnel et de toutes les traditions. Ouais. Et puis, ces dernières années, tu as monté une édition, Orphelia, qui était avec une activité également de nirologie. Tu avais beaucoup de pratiques en nirologie à travers les différentes traditions qui exploitent cette science des rêves. Et puis ensuite, avec cette édition, tu as monté une trilogie, Émergence. Donc trois livres majeurs qui parlent de spiritualité, mais qui sont des livres de polymathes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans Émergence, déjà, pour qu'on comprenne un peu où tu en es arrivé avec toute cette documentation et toute cette démarche? Bah déjà, bonjour Fabien, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait, on se connaît depuis très 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 longtemps, en vérité, bien avant Facebook, bien avant tout ça. Oui, archiviste, bon... Alors, Émergence, c'est trois volumes, ça, une totalité de 1400 pages maintenant. Ça fait ça, publié depuis pas mal d'années. Et c'est l'unification de tous les savoirs. Donc, on va parler de science, de philosophie, d'art, de spiritualité, d'ésotérisme, en essayant d'avoir une vision globale sur l'ensemble de l'activité humaine. Donc c'est une immense tentative que j'ai essayé de faire, et je fais énormément de conférences aussi autour de ça, beaucoup également d'articles à travers différents magazines, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et Émergence, c'est le socle qui va me permettre de créer tout le réseau par la suite, entre autres l'alchimie arabe, la gnose, la psychologie, les mathématiques et ailleurs. Tout, c'est vraiment l'embranchement. Tout va partir de là. Et donc, d'après ceux qui ont lu Émergence, ils en sont satisfaits. J'ai des très bons retours, avec une préférence pour le volume 1 et le 3. C'est leur préférence. Et donc, voilà. Et ensuite, un autre ouvrage qui a été sorti chez un autre éditeur cette fois-ci, Les derniers gnostiques du Moyen-Orient, qui est une première lancée dans la gnose. Il y en aura d'autres, bien sûr, après. Et le dernier qui est sorti plus l'année dernière, décembre de l'année dernière, c'est Alchimie arabe, le soufre rouge ou la transfiguration de la matière. Et là, c'est aussi un gros volume, c'est deux volumes, 800 pages en totalité, avec pour le premier volume, c'est l'histoire, on est vraiment du côté historique, on part des grandes civilisations du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient ancien, donc c'est l'alchimie concentrée dans cette sphère géographique, hein, dans cette sphère géographique. Je ne me suis pas préoccupé de la Chine ni de l'Inde. Ça sera pour d'autres ouvrages, tout ça. Et donc, on va parler de l'Égypte, on va parler de la Perse, on va parler des Phéniciens, on va parler de toutes ces cultures qui vivaient et qui résidaient là, les grandes civilisations de l'Antiquité. Les Grecs également font partie de l'histoire. Et ensuite, on arrive avec l'Empire byzantin, qui est
hérité de tout ça. Et ensuite, les musulmans, avec l'empire musulman qui arrivait à l'époque, après Byzance, qui a hérité de toute cette vision du monde. Et c'est une vision très syncrétique, c'est-à-dire, c'est un croisement, dans l'alchimie arabe, il y a ceci de particulier, c'est un croisement entre l'Orient et l'Occident. Et à l'intérieur, on va retrouver toutes les influences de toutes les cultures qui les ont précédées. Donc, on va retrouver de l'Inde, de la Chine, de la Grèce, l'Égypte, la Mésopotamie, les Phéniciens et ainsi de suite. Dans une vision très syncrétique et extrêmement prolifique, vraiment. Donc, voilà un petit peu le projet et ce qu'il en est de l'alchimie arabe. Et pour dire pour le tome 2, c'est vraiment une étude. Première partie, c'est une étude et des nouvelles traductions sur des textes d'alchimie arabe traduits en latin. Donc connu par l'Occident depuis le Moyen Âge, c'est j'ai choisi des textes de référence. Et comme je lis l'arabe et j'ai fait appel aussi à des professionnels en langue arabe pour traduire certains textes avec une nouvelle version. Donc par exemple, il y a un texte qui est très connu, qui est Seigneur Zadis. C'est un alchimiste arabe qui s'appelle Seigneur Zadis en latin. Son ouvrage est un ouvrage de référence. Et quand on regarde la traduction en langue française et en latine, eh bien, on voit qu'il y a une grande différence avec la version arabe. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de traduire l'arabe en français pour la première fois depuis 800 ans. Une nouvelle traduction, donc après les premières grandes traductions au Moyen Âge, au XIIe et XIIIe siècle. Et là, on a un nouvel apport, cette fois-ci, dans notre ouvrage, l'alchimie arabe, pour la première fois. Donc, voici l'effort qui a été fait pour les traductions. Et tout commenté, bien sûr, pour décortiquer, analyser une herméneutique en profondeur. Et ensuite, en deuxième phase, il y a des nouveaux ouvrages non connus par l'Occident, des ouvrages d'alchimie arabe. Certains, c'est des extraits, d'autres, ils sont complets, parce que sinon, ce serait trop volumineux. Et donc, là, c'est pour la première fois des ouvrages d'alchimie arabe traduits en langue française pour le public francophone. Et là, il y a aussi un travail monstrueux, monstrueux de traduction qui a été fait. Là, il n'y a pas de commentaires. Pas de commentaires. On laisse libre aux gens de lire ça et d'apprécier ces textes-là. Donc c'est un gros travail de recherche et de traduction. Moi, j'avais un livre qui parlait de ce sujet il y a quelques années. J'avais acheté Pierre Loris, Alchimie et Oui. mystique en terre d'islam. Oui, je connais très bien Voilà. Pierre Loris, ouais, bien sûr. Ouais. Et C'est le seul qui existe, hein. Enfin, il y en a deux ou oui, trois. il doit y avoir également quelques ouvrages de Mircea Eliade, je crois, qui parlent d'alchimie de manière Pas spécifiquement intemporelle, pas arabe. spécialement arabe, mais qui doit parler Voilà. quand même de l'alchimie arabe un petit peu. Oui, Mais ça c'est va. vrai que là, tu nous apportes quand même 800 pages de contenu sur ce sujet, donc c'est pas rien, c'est des textes inédits, c'est des nouvelles traductions, c'est une historicité qui commence quand alors? Parce que On va très l'alchimie loin. est un sujet arabe très vieux, mais on commence avant les terres arabes de l'Empire romain, Ah oui, avant Rome, avant pour la Rome. Grèce. On est Voilà. dans les grandes civilisations de l'Antiquité. Oui. Alors, comme je m'intéresse énormément aux anciennes langues et que je m'amuse à essayer de les comprendre et à les décortiquer, donc j'ai des. La langue égyptienne, je me suis mise à cette langue-là pour essayer de la comprendre et d'écrire, y compris pour les langues mortes du Moyen-Orient, comme le sumérien ou l'akkadien ou l'ancien phénicien ou les langues araméennes. J'ai fait également un travail d'archéologue en essayant de déterrer dans les textes anciens ce qui se rapprochait le plus de l'alchimie, et les racines sont réellement égyptiennes. Ça D'accord. C'est c'est certain. qu'est-ce qui a commencé en premier? C'est la spagyrie, c'est les métaux, c'est Ah, c'est complexe! les Parce que c'est. élixirs?
Ah oui, non, c'est complexe parce que c'était vraiment un travail de laboratoire, mais pas uniquement de métaux. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'était pas juste des métaux. Aujourd'hui, on a hérité que des métaux. Non, ça faisait partie d'un contexte de transformation. Et là, c'est intéressant parce que on est en Mésopotamie et en Égypte, ils avaient le même concept. C'est-à-dire que toute transformation de la matière était sous l'égide d'une divinité. Et la matière, lorsqu'elle se transforme, était vue comme un système d'initiation dans les artisanats. Donc, que ça soit la bière, par exemple, lorsque le blé devient alcool, transformation du sucre en alcool, cela faisait partie entièrement des métiers liés à l'alchimie, hein, tant en Égypte qu'en Mésopotamie. Par exemple, la déesse Ninkasi, la déesse de la bière en Mésopotamie, était complètement intégrée à l'art de la transformation. Alors, on n'est pas dans la transmutation des métaux, mais on parle bien de transformation. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne l'alimentation, mais également tout ce qui est confection, les bijoux, que ce soit la menuiserie, c'est-à-dire l'art d'une manière générale. De Et façonner. l'intelligence cosmique, hein, qui était en charge de la transformation du cosmos et qui donnait cette intelligence aux artisans, hein, eh bien, était sous l'égide de l'ancienne conception de l'alchimie. Et là, on retrouve ça dans la bière, dans le vin, dans les métiers de fabrication, par exemple des teintures. Alors là, on est avec le vêtement, les textiles. Et c'est pour ça que le mot texture est resté en alchimie aujourd'hui. Ça vient des métiers, hein, des métiers de confection de vêtements de l'époque. On retrouve ça dans ces deux grandes civilisations que j'ai nommées tout à l'heure. Et donc, également dans les bijoux, hein. Alors, les bijoux, les métaux, c'est très près. L'art de transformer et les alliages entre les métaux et entre les choses, et également entre les plantes. Ça Les veut dire plantes qu'on qui a ont passé différents extraits. un cap important. C'est celui de passer de juste travailler la matière telle qu'elle nous est parvenue au fait de dégager quelles sont les propriétés de la matière. Et pour ça, on va essayer d'en garder tout ce qu'il y a de plus subtil, tout ce qu'il y a de plus pur. On va essayer de purifier la Voilà, matière. voilà. Donc la transformation équivaut à la purification de la matière, et ensuite l'objet que l'on arrive à avoir est chargé, disons, dans une conception mythologique du monde, parce qu'il faut bien concevoir que tout ceci était pensé d'une manière mythologique. Donc il y avait des dieux, ensuite il y avait des génies. C'était pas des anges et des diables à cette époque-là, hein. C'était une vision polythéiste. Et donc l'artisan n'était que le messager des dieux. Lui-même avait l'intelligence offerte par les dieux et il était chargé de transformer, d'améliorer ses métaux et les substances qu'il avait entre les mains, quelle que soit la substance, afin d'offrir quelque chose de divin. Et la bière, par exemple, ou les bijoux, étaient sous l'égide d'une divinité particulière, protectrice, et donc il y avait de la magie, de l'astrologie, et tout ceci faisait partie de l'alchimie ancienne. Et les sources de la conception de l'alchimie, c'est réellement l'ancienne Égypte. Et on le voit dans les grandes bibliothèques égyptiennes, bien avant Alexandrie et tout ça, il existait de très grandes bibliothèques, dans les maisons de vie, ça s'appelle Per Amr, maison de vie en ancien égyptien. Et dans ces maisons de vie, c'était Thoth qui était chargé, hein, de protéger et d'enseigner l'intelligence aux êtres humains, c'est-à-dire la connaissance des dieux. Et il y avait la médecine, il y avait l'astronomie, l'astrologie, il y avait l'art des confections, des talismans, et puis il y avait le gouvernement, la politique, tout était sous l'égide de Thoth. Hein, c'était le maître des scribes. C'est pour ça qu'après il y a Thoth Hermès, les deux figures Voilà. rassemblées avec le côté grec, parce que les Grecs avaient aussi un peu cette tradition. On parle de l'ambroisie qui était la boisson des Oui, dieux qui leur accordait une voilà. vie éternelle, Ouais, une voilà. puissance incommensurable. Ouais. Mais tu parlais de Thoth, j'ai envie de revenir sur une petite historiette qui fait la transition entre la période de la tradition orale et de la tradition écrite. Je t'en C'est prie, vas-y. Thoth qui se présente devant l'assemblée des dieux, et notamment devant Ra, évidemment,
Et il présente son invention, l'écriture. Et Ra rigole, il se marre. Et Toth lui dit, mais pourquoi ris-tu? Alors Ra lui répond, mais pourquoi as-tu inventé l'écriture? Et Toth lui répond, bah, pour que les hommes puissent se souvenir. Et Ra rit à nouveau. Et Toth lui dit, pourquoi ris-tu? Et Ra lui répond, parce que maintenant qu'ils savent écrire, ils vont pouvoir oublier. Ouais, c'est très beau, ouais. C'est très très beau, ouais. C'est très C'est-à-dire que beau. la tradition orale, c'est le symbole de la tradition vivante, vivifiée, qui sans cesse progresse, qui sans cesse se renouvelle, se réactualise. Et la tradition écrite, on va avoir l'impression qu'il y a une stagnation, qu'il y a une sorte d'engrammage définitif de la tradition, et que quelque part, elle ne va plus pouvoir être aussi mobile, aussi flexible, aussi, comment dire, progressive que la tradition orale ne l'était. Et on le voit notamment avec les religions révélées. Alors moi, ce qui m'interpelle tout de suite quand tu parles d'alchimie arabe, c'est, on reviendra sur l'histoire après, mais comment les Arabes, dans le giron islamique, et peut-être chiite, peut-être persan, se sont-ils accoutumés du fait de prendre une tradition aussi vivante et aussi progressive et aussi pratique, empirique, que l'alchimie, sans y voir une forme de menace particulière à leur croyance? Comment l'alchimie a trouvé sa place dans le monde arabe? Bon, ça c'est dû à... Alors, les musulmans d'aujourd'hui ont perdu ça, mais dans les premiers siècles de la naissance de l'islam, hein, et puis l'islam n'est pas né du jour au lendemain comme ça, comme on le pense, hein, il y a une histoire derrière, mais c'était un désir profond, profond de comprendre le monde et de comprendre les phénomènes qui les entouraient. Et donc, il y a eu un élan de traduction immense pour absorber tout ce qui les avait précédés. Et donc, ils ont traduit du grec, de l'araméen, du syriaque, ils ont traduit les langues hindoues également. Et donc, ils désiraient absorber tout ça pour ensuite l'étudier par eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas fait qu'hériter, ils ont également apporté leur propre conception du monde. Et donc, ça a donné la grande civilisation du Moyen-Âge, de l'âge d'or des musulmans. C'est ce qu'on appelle les Moutazilites. Les philosophes de l'époque sont les Moutazilites, et c'est dans cette période-là où il y a beaucoup de traductions qui se font à Bagdad pendant les califats Oui, Oméga, bon. des débuts des Abbassides. Oui, il n'y a pas que les mots d'azélite, mais c'est né dans cette efflorescence de la connaissance. Oui, alors il y a eu les traductions d'œuvres philosophiques, de sciences, d'art, mais aussi de d'autres religions qu'on ne connaissait pas. Biruni, il est allé en Inde apprendre. Dixième siècle, Biruni, ami presque avec Avicenne, il est allé en Inde et apprendre le sanskrit et essayer de comprendre la religion hindoue et ensuite traduire ça en arabe. Et ensuite, il a essayé d'écrire une histoire de l'humanité globale. Il a pris les Perses, il a pris les Zoroastriens, il a écrit le Byzantin. Et c'était vraiment des polymathes à cette époque-là, les musulmans. Et ce n'était pas que des musulmans, c'était une lancée dans la terre d'islam. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, des zoroastriens, des manichéens encore, ils existaient encore. Et donc, ce n'était pas que les musulmans, c'est réellement une lancée collective de différentes cultures qui désiraient reprendre les rênes de leurs connaissances, vraiment, vraiment. Et ça a été un âge d'or pour tout le monde. Tant pour le judaïsme, le christianisme en terre d'islam, que le zoroastrisme ailleurs. Voilà, le zoroastrisme est rené même en terre d'islam. Le Hein. plan aussi de compulser tous les savoirs de l'humanité, ça passe aussi par le fait que à l'intérieur de l'islam, on va retrouver les néoplatoniciens, les Oui, aristotéliciens voilà. qui viennent Oui, avec les voilà. savoirs grecs et Voilà. macédoniens et ces savoirs d'Alexandrie. Alors, quel est le rôle que va jouer Alexandrie dans cette alchimie arabe? Ah, bah, capital, ouais, capital. Alors, les gréco-égyptiens, comme on les appelle, bien, l'alchimie est réellement encore une rencontre entre l'Égypte ancienne et la civilisation grecque. Donc, ça a donné Thoth et Hermès, les deux dieux respectifs de cultures et civilisations. Et
Hermès Trismégiste est apparu, bien sûr, dans ce moulage des cultures à Alexandrie. Bon, il y a eu d'autres dieux de la même catégorie. Il y a eu Sérapis, hein, c'est le dieu Osiris avec un autre dieu grec. Il y a eu Hermanubis, c'est Hermès avec Anubis cette fois-ci. Hein, c'est un dieu à tête de chien. Et Hermès Trismégiste, hein, est né à ce moment-là. Et le mot Trismégiste est très intéressant parce qu'il est d'origine égyptienne. Alors, le terme égyptien, c'est Ra-Ra-Our. Ra-Ra, c'est très très. Our, grand. Our, c'est même plus que grand. C'est quelque chose d'immense, d'incommensurable, quelque chose de magnifique. Alors, c'est les mots ont plusieurs sens en langue égyptienne. Mais Ra-Ra-Our, c'est deux fois. Ra-Ra-Our, très très grand. Parce que les anciens Égyptiens concevaient le monde d'une manière double. Et tout était dédoublé chez eux. Donc, il y a les deux Égyptes. Et ensuite, il y a les deux terres d'Égypte et avec les deux couronnes, et ainsi de suite, la noire, pardon, la rouge et la blanche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et Ra-Ra-Our, très très grand, c'est un attribut de Thoth qui signifie celui qui possède les deux terres et qui réunit les deux terres. Voilà. Alors, le trois fois grand, hein, est né par la rencontre des Grecs. Ils ont rajouté un trait en supplément dans le Trismégiste, qui veut dire trois fois grand, hein, pour signifier les trois mondes au départ. Ça signifie ça, hein, les trois mondes, Et donc les trois Terre mondes dont tu parles dans Émergence. et dans Émergence également. Également. C'est pour ça qu'il y a un triptyque dans Émergence. Hein, c'est ça. Et donc les trois mondes correspondent au ciel, à l'atmosphère et à la terre, ou au monde souterrain selon les cultures. Mais Thoth, c'est l'intelligence cosmique. Hermès Trismégiste, il apparaît dans les textes du Corpus Hermeticum comme étant le nous ou l'intelligence du cosmos. C'est la conscience cosmique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et cette conscience cosmique, cette intelligence, donne des révélations et des inspirations aux hommes suffisamment éveillés à eux-mêmes et qui ont accompli l'acte de purification de l'âme. Et l'alchimie suit le même processus de purification de l'âme parce qu'il y a un couplage entre la matière et l'âme de la personne comme étant une. Donc, travailler sur le creuset, c'est travailler sur soi. Et il y avait des rites à mystère, et ça, je les ai montrés dans mon ouvrage gréco-romain, qu'on retrouve chez les Grecs et chez les Égyptiens, hérité dans le monde arabe par l'intermédiaire de Byzance, l'Empire byzantin. Donc, je montre tout ça et j'explique, hein, je décortique les symboles, les noms, les compréhensions, les codages, le cryptage, le labyrinthe, tout ça, je l'explique pour clarifier le sujet, antique et dans le monde arabe. Et Alexandrie a joué un rôle majeur dans la transmission des savoirs de l'Antiquité au monde arabe. Parce que de nombreux textes n'ont pas été détruits, mais ont été préservés par l'Empire byzantin dans les grandes bibliothèques de Constantinople. Et d'autres se trouvaient aussi dans certains monastères. Et les musulmans ont traduit ces textes-là lorsqu'ils les avaient. Et le premier texte traduit d'alchimie est justement situé en Égypte par un prince omeyyade qui s'appelle Khalid ibn Yazid et qui allait voir un prince, un anachorète byzantin, donc un chrétien, qui possédait entre ses mains l'art d'Hermès, l'art de l'immortalité, l'art qui provient du maître de sagesse Hermès Trismégiste. Et donc, Khalid, traduit en latin par Khaled ou Khalid, a voulu détenir cette sagesse entre ses mains. Et donc, on est en Égypte. Et c'est le premier texte traduit de langue grecque en arabe. Et là, on a le premier texte d'alchimie en arabe. Mais ce qui est fou, c'est qu'on pense même que c'est la première œuvre traduite dans l'effervescence des traductions de l'époque. Donc, le premier ouvrage traduit dans le monde arabe de l'Antiquité, c'est un ouvrage d'alchimie, celui de Khalid ibn Yazid. Donc, pour montrer un petit peu l'effervescence de cette alchimie, quand même, bien mystérieuse. Hein. Et voilà. Et le personnage d'Hermès Trismégiste aussi est auréolé de légendes dans le monde arabe et qui vient aussi de l'Antiquité. On retrouve ça dans l'Antiquité, dans les chroniques byzantines. Par exemple, Hermès Trismégiste est censé avoir vécu avant le déluge. Donc,
bien avant la destruction opérée par la punition divine. Et Hermès Trismégiste avait une connaissance totale des choses, parce que Hermès est perçu dans le monde arabe non pas comme un personnage, mais comme un attribut sacerdotal de prêtrise. Et donc, ils vont décliner Hermès en plusieurs personnages. Et ils vont lire, alors là, c'est quelque chose de très intéressant, le Hermès Trismégiste, le trois fois grand, non pas comme étant un personnage qui est trois fois grand, mais trois personnages. Trois personnages. Donc, un personnage qui aurait vécu avant le déluge. Il s'appelle Hermès Trismégiste. Et deux autres après le déluge. Les deux s'appellent aussi Hermès Trismégiste. Le premier va être assimilé au prophète Énoch de la Bible. Et donc, ce prophète Énoch, c'est Hermès Trismégiste. Et pour les musulmans, bah, c'est le prophète Idriss dans le Coran. Idriss, Énoch, Hermès Trismégiste, même personnage. Et qu'a fait ce Hermès Trismégiste? C'est le septième patriarche antédiluvien dans une liste qui en possède 10. Le dernier étant Noé, et Noé a été sauvé du déluge, comme on le sait tous, par un navire, un bateau qu'il a pu construire. Et c'est son grand-père, Énoch. C'est le grand-père de Noé. Et Idriss Enoch ou Hermès Trismégiste est censé être monté au ciel, ça c'est dit dans le Coran et dans la Bible, avoir vu le secret du ciel, et c'est ce qui va s'appeler la littérature énochienne. Hein? Ce sont des apocryphes aujourd'hui, mais durant l'Antiquité, ils étaient considérés comme canoniques. Il y a notamment bah, le livre d'Énoch, bien sûr, Le livre qu'on connaît d'Enoch, en voilà. éthiopien et en slave, En araméen, il y en a qu'il a quatre. été attesté par les redécouvertes à Qumran. À Qumran, Il y a exactement, voilà. également le livre des géants Oui, le qui livre parle de des cette géants, ouais. époque, voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Différents apocryphes qui parlent de Noé, dans certains même à Noé est présenté comme un albinos, et ce serait le signe de son élection pour dire qu'il est si pur qu'il va survivre à tous les méfaits des fils de Caïn. Mais en tout cas, oui, on a Idriss, ce personnage, Enoch, qui a été Voilà. ascensionné vivant, et donc qui est Voilà. présenté comme jamais mort finalement, et son Et c'est lui, esprit lui perdure à Hermès travers. Trismégiste. Voilà, d'accord. Voilà, Et c'est alors. lui Hermès Trismégiste, c'est Il ça. y a de lui, on tient un texte fameux, la Tabula Smaragdina, la table d'émeraude. Oui, Oui. c'est compliqué. C'est-à-dire, juste, je te termine l'histoire de Hermès Vas-y. Trismégiste et on parlera de la Tabula Smaragdina ou la table d'émeraude en français. Eh bien, ce Hermès Trismégiste, le premier des Hermès Trismégistes, a vu la catastrophe dans les étoiles. Donc, il y avait une horloge cosmique. C'était un astronome, un astrologue, médecin et tout. Donc, il a vu la catastrophe arriver. Et ce qu'il a voulu faire, c'est préserver la connaissance divine, donc l'alchimie aussi, hein, la connaissance divine de ce déluge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé l'écriture à ce moment-là. Dans les légendes, tu vois. Il a inventé l'écriture à ce moment-là. Et il l'a inscrite dans des parois inaltérables et indestructibles. Cela va donner naissance à certains temples et des pyramides. Et les pyramides de Gizeh ont été vues dès l'Antiquité tardive, hein, gréco-romaine, et puis ensuite romaine et byzantine jusqu'au monde arabe, comme faisant partie de cette légende. Les pyramides de Gizeh, tu vois, ça vient de loin, cette idée que les pyramides de Gizeh ne sont pas d'origine égyptienne. C'est né dans le terreau gréco-égyptien au départ. Gréco-égyptien et dans l'hermétisme, dans les légendes d'Hermès Trismégiste. Donc, ça vient de là. La source originelle de ces légendes que l'on a aujourd'hui, c'est né dans l'hermétisme. Il aurait bâti ces constructions pour y inscrire la connaissance divine, dont l'alchimie. Et sous des galeries, sous des souterrains, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre inconscient collectif, on cherche des galeries sous le Sphinx, sous Khéops, parce que ça vient de ces légendes d'Hermès Trismégiste. Ça D'accord. vient de très loin. Et ensuite, il y a un autre Hermès qui aurait vécu, cette fois-ci, à l'époque de l'Égypte historique, et il aurait revivifié l'hermétisme à son époque et la connaissance, et il aurait eu pour disciple Pythagore. Et un autre, le troisième et dernier, aurait vécu, cette fois-ci, en Irak, à Babylone, on l'appelle le Hermès babylonien à cause de ça, et il aurait eu pour disciple Platon et Socrate. Bon, tu vois l'affaire. Voilà, donc on a les trois Hermès, ces trois personnages, et
Donc, je parle longuement d'eux pour décortiquer un peu toutes ces légendes. Voilà. Est-ce qu'il y a certaines traditions sur Hermès Trismégiste qui le rapprocheraient du personnage de Balaam dans la Torah? Ah oui. Pas trop, non. Non, Non, pas c'est trop. plutôt Pas trop. Zarathoustra, je crois, qui est souvent rapproché. Alors, souvent Zarathoustra, oui, souvent Zarathoustra est rapproché, mais un autre personnage, et là je mets en lumière quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en lumière, qui est Enmedouranki. C'est un personnage sumérien. Ah. Personne n'a entendu parler de ça, mais je le mets en avant dans Émergence, mais aussi dans l'alchimie arabe. Parce que les racines de la littérature énochienne et de l'hermétisme, c'est-à-dire ces légendes qui consistent à dire qu'il connaissait le secret des étoiles, de l'astrologie, qu'il avait vu ces choses-là et qu'il a descendu sur Terre une connaissance, et la chute des géants, comme tu disais tout à l'heure, la littérature des géants, qui sont les anges déchus plus tard, hein, la chute des géants dans le mont Gazérim, qui est situé aujourd'hui au Moyen-Orient, le mont Gazérim, parce que la chute des géants est localisée sur cette montagne-là. 200 dans la littérature enochienne, ils sont 200 anges déchus, c'est d'origine sumérienne. Et le personnage qui est au cœur de cette affaire-là, c'est un personnage écrit dans les textes mésopotamiens. Il s'appelle Enmedouranki. Et rien que son nom, c'est toute une affaire. Toute une affaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces traductions-là, anciennes, hein, Mésopotamie, ça date de plus de 2000 ans avant le Christ. Ce sont des textes qui datent de plus de 1500 ans même, avant la création de la Torah, avant Moïse. On est dans la civilisation sumérienne, qui mentionnait un personnage qui correspond trait pour trait à ce Hermès Trismégiste, à ce Énoch. Et on voit d'où vient l'influence, d'origine mésopotamienne. Quel est-il? Je te termine ça, tu vas voir que c'est très intéressant. Dans la liste mésopotamienne, il y a un déluge. Gilgamesh le connaît, bon, des autres textes aussi. Dans la liste antédiluvienne mésopotamienne, sumérienne, il y a 10 rois, ce sont des rois dans la liste mésopotamienne. 10 rois. Le septième s'appelle Enmedouranki. Et ce septième roi antédiluvien n'est pas mort. Il est allé au ciel découvrir la connaissance divine et là descendre au sur terre et instituer sur terre une prêtrise, un sacerdoce. Qui sont ces personnages? En Mésopotamie, c'est l'astrologie, l'astronomie et ce qu'on va appeler les aruspicines, c'est-à-dire la divination. Et donc, Hermès Trismégiste, Enoch, Idris, Enmedouranki, ce sont des rameaux historiques. Hein. Et la racine est vraiment historique. On le découvre que c'est d'origine sumérienne. La chute des anges même est d'origine sumérienne. Le déluge est d'origine sumérienne. Et le personnage Hermès Trismégiste prend racine tant en Égypte qu'en Mésopotamie. Voilà, Alors à je voulais cette juste. époque-là, l'astrologie, ce sont les planètes, parce qu'on n'a pas encore conçu les constellations qui arrivent avec les Assyro-Babyloniens un petit peu après Nabucodonosor, et puis qui vont ensuite être apportées par les Grecs en Égypte avec les Lagides. On va avoir les constellations qui vont prendre leur nom définitif, et les étoiles n'ont pas encore de nom. Les étoiles, on va les nommer avec les Arabes, notamment au Moyen Âge, plus tard. J'ai un ouvrage très intéressant à ce sujet qui s'appelle Étoiles dans la nuit des temps, qui parle des différents registres de l'astrologie dans les différentes civilisations, comment elle émerge avec le temps. Et chez les Celtes, par exemple, ce qui va compter, c'est les saisons. Ce qui va compter dans le bassin méditerranéen, au début, c'est les planètes. Et puis après, dans le monde arabe, on va s'intéresser aux étoiles particulièrement pour les nommer, pour pouvoir avoir vraiment, je dirais, des directions claires dans la navigation ou la navigation du désert. Et donc, on est dans les prémices d'une science qui s'accompagne d'une autre science, qui est une science occulte, qui est une science ésotérique, qui est celle de la correspondance entre le monde intérieur et le monde extérieur, ce qu'on a chez les Grecs dans cette fameuse conception que l'homme est à la mesure de toutes les choses que l'on trouve dans l'univers et qui sont aussi les mesures de l'ergonomie pour le temple, pour la cité, etc. On a aussi
toute une phénoménologie de l'esprit, en fait, qui va se décliner sous tout un tas de formes. Et cette phénoménologie de l'esprit, elle se prête au jeu de la divination et elle se prête au jeu de l'alchimie, puisque l'alchimie, c'est un processus aussi de purification intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? La sainteté, la sacralité, la purification? Alors, on va reprendre la tabula smadina Oui. parce que ça fait partie de ça aussi, hein. Alors, l'alchimie, on doit la concevoir, cette science, parce que c'est réellement une science, comme un triptyque, magie ou théurgie plus précisément, astrologie et alchimie. Ça se conçoit comme ça, et dès l'Antiquité, et dans le monde arabe également. Donc, quand on parle d'alchimie, l'astrologie fait partie intégrante de l'alchimie, tout comme la théurgie. Et la tabula smaragdina, après, hein, je répondrai à ce que tu viens de dire, mais la table d'émeraude n'appartient pas aux textes originaux du Corpus Hermeticum, c'est-à-dire datant de l'Antiquité, à Alexandrie, et ça ne date pas de l'Antiquité, ça date de l'époque arabe. La tabula smaragdina provient de deux textes arabes qui ont été traduits tous les deux en latin au Moyen Âge. Le premier texte, c'est un apocryphe d'Apollonios de Tyane. Donc on va l'appeler le pseudo-Apollonios de Tyane. Apollonios de Tyane étant un personnage historique qui aurait vécu au 1er siècle après Jésus-Christ et qui était un grand thaumaturge, alchimiste et théurge d'une immense figure qui faisait carrément concurrence à Jésus à l'époque. Et donc, il y avait des textes qui gravitaient autour de lui, soi-disant qu'il les avait écrits. Il y a même une histoire de la vie d'Apollonios de Tyane qui existe, hein. Elle est traduite en français aujourd'hui. Ça, c'est un original. La vie d'Apollonios de Tyane, elle existe. Et le monde arabe a pris comme prétexte Apollonios de Tyane pour écrire un ouvrage d'alchimie. Et à l'intérieur de cet ouvrage d'alchimie, le pseudo-Apollonios de Tyane, qui s'appelle Le secret des secrets aujourd'hui, le texte n'a pas été traduit en entier en langue française, on n'a que des extraits en français. Mais en latin, il attend, il est là. Il attend, hein, ce texte-là attend la traduction. Et le secret des secrets, hein, Sir el Asrar en arabe, le secret des secrets, à l'intérieur, on a le récit de la découverte de la table d'émeraude avec les 12 stances de la table d'émeraude dans ce texte-là par cet alchimiste. Et il est comment il a découvert? Eh bien là, tu vois très bien l'histoire d'Hermès Trismégiste antédiluvien. C'est-à-dire qu'il est allé découvrir sous un temple les secrets de l'alchimie qu'une divinité lui avait montré à travers un rêve, quoi faire et que faire. Et il a creusé sous un temple, sous une statue d'Hermès, et il a creusé et il a découvert une galerie oubliée. Et à l'intérieur, il a découvert une autre grande statuette, hein, celle d'Hermès Trismégiste, et entre ses mains, il avait la table d'émeraude. Là, on est dans l'histoire de Hermès Trismégiste antédiluvien, hein, qui faisait partie intégrante Qui a été retrouvé par Apollonios de Tyane. qui a D'accord. été retrouvé par Apollonios de Tyane, qui a retranscrit le texte dans son ouvrage Le secret des secrets. Ensuite, on retrouve cette table d'émeraude dans un autre ouvrage également d'origine arabe qui a été traduit en latin, qui était censé provenir d'Aristote. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Mais dans le monde arabe, on a dit que c'était un ouvrage d'Aristote. Et les latins ont traduit cet ouvrage et il était censé provenir d'Aristote, ils l'ont gardé tel quel. Et on parle aussi du secret. Aristote, c'est aussi un polymathe, il est géographe, il Comme tous s'intéresse à les la philosophes de symphonie, l'époque, hein. il s'intéresse à la symphonie des sphères, il est dans la théorie musicale, la théorie de l'art du récit, il s'intéresse à C'est un tous les géant, arts, ouais, bien hein. sûr. Aristote, c'est un géant. Ouais. Mais la philosophie d'Aristote, tout comme la philosophie de Platon, ces deux philosophies-là ont influencé en profondeur l'alchimie arabe. Par exemple, l'approche physique de la matière alchimique, c'est d'origine aristotélicienne. La conception de la matière et de la physique, c'est d'origine aristotélicienne. Par contre, tout ce qui sous-tend le monde subtil qui est caché derrière la matière est d'origine platonicienne. Et donc, il y a un accord entre Platon et Aristote dans le monde arabe. Parce qu'il y avait un texte qui a été traduit, bon, on ne va pas rester trop loin sur ces syncrétismes qui ont été faits dans le monde arabe, mais il y avait un texte qui était censé provenir d'Aristote qui s'appelait la théologie d'Aristote. Et la théologie d'Aristote
ne vient pas d'Aristote. Mais on pensait que ça venait d'Aristote à l'époque. Et l'origine de ce texte, c'est les Énéades de Plotin, c'est les sixièmes Énéades de Plotin, avec des commentaires de Proclus, c'est-à-dire des néoplatoniciens. Et on a appelé ça la théologie d'Aristote. Et donc, Aristote, il n'était pas aristotélicien comme on le pense aujourd'hui dans le monde arabe, il était teinté de néoplatonisme. Et donc, on pouvait faire des accords entre Aristote et Platon plus facilement. Voilà. Et donc, l'alchimie est réellement une science aristotélicienne, tout comme une mystique néoplatonicienne. Et on retrouve un héritage profond à l'intérieur, tout comme le zoroastrisme, l'Inde, c'est une vision très syncrétique, synthétise des connaissances à l'intérieur de l'approche de l'alchimie. Ainsi, tu vois, quand on parle de la tabula smaragdina, on voit que c'est d'origine multiple. Hein, les ramifications historiques sont multiples, mais Apollon Zotian, c'est un Grec qui aurait vécu à l'époque romaine, tu vois. Et donc, c'est ça l'alchimie arabe, c'est très riche, c'est-à-dire l'histoire est très riche lorsqu'on lit ces textes-là. Les influences sont tellement multiples qu'il faut parler de culture à multiples facettes. Donc, c'est ça qui a donné la richesse de l'époque du monde musulman. Moi, je vois bien déjà l'influence de l'alchimie commencer à concerner un peu l'Arabie romaine, parce que on sait que l'Arabie romaine a produit plusieurs empereurs, Ah notamment oui, vers la fin de énormément. l'Empire romain, Ouais, énormément. qu'ils étaient très attirés par les religions orientales. Ils Ouais, essayaient de c'était pas les ça. importer pour leur donner du poids et une importance centrale dans l'Empire romain. On Ah, sait c'est par sûr. exemple qu'il y a eu Héliogabale qui a tenté de Héliogabale qui a réunir pris Hélios et la Elgabale, bêtise d'Hélès. Ouais, bien Bêtil sûr. du désert des Arabes. Ouais. Et puis il y a eu également ce dieu Sol Invictus qui était Bah, c'est d'un. d'origine arabe, hein, tout C'est ça, hein. ça, c'est ça. Moyen-orientale, on va dire. Ouais. Plutôt, quand on dit arabe, il faut se méfier, ce n'est pas les arabes d'aujourd'hui, c'est plutôt les sémites du Moyen-Orient. Ouais. Parce qu'il y avait les araméens, hein, Tout à les fait. syriaques et tout ça, et ils provenaient tous du Moyen-Orient. Mais ils étaient considérés comme des arabes. Il y avait Philippe l'Arabe, c'est un Syrien, un empereur romain. Philippe l'Arabe, mais c'est un Syrien. Voilà. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend arabe, ceux de l'Arabie d'aujourd'hui, pas du tout. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais l'influence était très ancienne. Il faut voir que cette Arabie romaine, entre guillemets, elle remonte jusqu'en Turquie, elle est très vaste. Oui, Hein. ouais. 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 Dedans, il y a des descendants Géographiquement, des ça Hittites, des Phéniciens, très des influent, bien sûr. Nabatéens, des Égyptiens. Donc tout Voilà, ça, c'est c'est ça. Très brassé, riche. bien Ça, sûr. c'est une histoire un peu oubliée, hein, pour ceux qui ne fouillent pas un peu l'histoire. Ils disent, ouais, les Romains, c'est que des Latins et tout. Ah non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ils ont un peu oublié l'histoire. Hein. Il y a même des empereurs berbères Alors, et j'ai tout une ça. question à te poser. Avec toutes ces tentatives d'importer des religions orientales et de produire des empereurs orientaux, alchimie sociale? Bah, ça a marché un petit peu sans que c'est marché complètement. On a vu que l'Empire romain a implosé et a Ouais. explosé simultanément. Quand même, l'Empire romain s'est écroulé par l'intérieur. Hein. D'abord, à cause d'une religion orientale, qui est le Le christianisme. christianisme. Et aussi, il y avait une concurrence qui était le mithraïsme, encore une religion orientale, hein, portée par, cette fois-ci, les centurions romains, Les hein, les Perses, grands, ouais. oui, de Perse, Mithra. Donc, l'Orient a toujours influencé Rome de profondeur, même le manichéisme, et ça a implosé l'intérieur, mais après aussi avec les invasions barbares. Donc c'est Oui, compliqué, c'est c'est une affaire compliquée. multifactoriel, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est très compliqué tout ça. Mais ensuite, pour parler d'alchimie, tu vois, quel est le but de l'alchimie en terre d'islam? Ben, c'est le même que celui de l'alchimie d'aujourd'hui ou celui de l'Antiquité. C'est l'immortalité. Alors, il faut bien s'entendre sur l'immortalité. Durant l'Antiquité, jamais on pensait, les alchimistes, hein, ne pensaient à l'immortalité par le corps. On parlait de l'immortalité par l'âme par rapport à une gnoséologie de l'alchimie. Parce qu'il y avait une profonde influence aussi des chrétiens gnostiques sur l'alchimie. Hein, on a des traces de ça, hein, des alchimistes gréco-égyptiens ou gréco-romains qui étaient gnostiques chrétiens. On a des traces de ces textes-là, de l'Antiquité. Et c'était la gnose, donc sauver son âme, ce qu'on appelle la salvation. Et l'alchimie était une voie parmi tant d'autres qui existaient pour sauver son âme. Donc travailler la matière permettait également de travailler sur soi,
parce que c'était pas dissocié à l'époque. Il n'y avait pas une alchimie spirituelle ou une alchimie pratique. Non, non, c'était moulé dans une seule conception du monde. Et ces alchimistes désiraient, à travers la matière, transfigurer, se transfigurer eux-mêmes, pour obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui le corps de gloire, qui est l'équivalent de la pierre philosophale. Hein? Le kibrit et Réalisé l'achma, en soi, c'est en ça. soi, voilà. Alors, en langue arabe, on l'appelle el kibrit el ahmar, le soufre rouge, d'où le titre de mon ouvrage, le soufre rouge, c'est le terme pour parler de la pierre philosophale. Et donc, les alchimistes de l'Antiquité cherchaient l'immortalité de l'âme, non par le corps, les alchimistes arabes d'eux-mêmes, et ça a duré un certain temps jusqu'à qu'il y ait eu un basculement à cause de Roger Bacon, c'est-à-dire un très grand théologien du Moyen-Âge latin, qui était un grand théologien d'Oxford en Angleterre, mais il a étudié à Paris à l'époque, lorsqu'il s'est procuré des ouvrages d'alchimie nouvellement traduits, c'était à ce moment-là, donc on est au XIIIe siècle. Roger Bacon est le premier dans l'histoire à avoir parlé de l'immortalité par le corps. Le premier. Donc on a la trace de quand ça a été pensé ça. Pourquoi il a pensé ça? Parce qu'il a intégré l'alchimie dans une théologie chrétienne qui consistait à recouvrir son corps d'immortalité, celui d'Adam. D'accord. Donc avant la chute et avant le péché originel. Dans le Donc paradis. voilà, oh, se nourrir de cette pierre philosophale permettait donc d'obtenir un corps de gloire de son vivant en ralentissant la vieillesse et devenir immortel par le corps. Et ensuite, la nouvelle théologie chrétienne est alchimique sur cette conception-là. Et ensuite, c'est parti pour l'alchimie occidentale. Et ce type d'alchimie existe en Chine, par exemple. Il y a une vision de l'immortalité par le corps à travers une alchimie chinoise qui consistait à obtenir un élixir d'immortalité. Alors, je vais te poser une question, mais cette fois, on va partir en Inde pour cette question. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir raccrocher ça. C'est la fameuse, si on peut dire, entre guillemets, dualité entre le karma et l'atman. Oui, C'est-à-dire, d'accord. OK, alors vas-y. on pourrait comparer le corps de gloire à l'atman. L'atman, c'est supposé être la part de nous, cette énergie pure qui fait la transmigration spirituelle d'incarnation en incarnation et qui reste constamment avec toutes les connaissances, tous les acquis véritables, tous les acquis spirituels qu'on a pu développer dans ces vies et qui se travaillent notamment beaucoup par la méditation, par la purification, par l'ascèse. Et puis il y a le karma, et le karma, lui, par contre, ce sont toutes les blessures d'âme, toutes les expériences corporées qu'on a dans notre vie, nos mémoires et nos attachements affectifs déplacés, je veux dire, qui sont dus à soit à des blessures, soit à des passion brûlante, etc. Et ça forme le karma. Et quelque part, la méditation vient pour nous permettre de faire basculer l'énergie du karma vers l'atman, pour agrandir notre atman et nous permettre de nous garantir que dans l'immortalité de l'âme, selon les conceptions indiennes, cette immortalité aille avec un maximum de sagesse. Pour qu'elle soit présente dans chaque incarnation pour traverser les incarnations. On retrouve un peu ça comme une sorte de prélude au nirvana, cet Atman, quelque part, dans la philosophie bouddhique et dans le tantrisme bouddhique. Donc est-ce que finalement cet Atman, cette énergie-là, dont il est question en Inde, rejoint ce soufre rouge pour toi? Oui, tout à fait. Alors, tout ce que tu viens d'écrire se retrouve dans les différentes approches de l'alchimie, que ce soit l'Antiquité ou celle du Moyen-Âge arabe. Exactement la même chose. C'est pas juste une quête de l'immortalité pour l'immortalité, c'est pas du tout ça. C'est retrouver son état premier, céleste, divin, Atman, et obtenir et redécouvrir cette lumière infinie que l'on possède tous. Nous sommes la lumière infinie. Cette lumière infinie, totale sagesse, c'est une Sophia, c'est une quête de la Sophia. Donc il y a des concepts avec la gnose dans ces cas-là, c'est une gnoséologie, un dévoilement de soi. Et réellement, cette immortalité, c'est celle de son être originel. Nous sommes des êtres immortels, de lumière et de sagesse. Et
C'est ce qui est sous-entendu derrière l'enseignement d'Hermès Trismégiste. C'est une quête de sagesse, c'est une voie de sagesse. Et c'est tellement dur que peu y arrivent, parce que certains basculent vers les polarités du cosmos ou de soi, et oublient que la sagesse se situe par-delà toute polarité. Et donc, saisir quelque chose qui se tient par-delà toute dualité, c'est extrêmement difficile, parce qu'on va parler de l'un. Et dans le monde de la dualité, c'est le multiple. Et là, nous sommes prisonniers de la multiplicité, le karma, comme tu as dit, et tout. Et on essaie de s'extraire de ce karma pour rentrer dans l'unité, qui est immortalité, lumière infinie, intelligence cosmique, sagesse absolue. Et ce que les anciens appelaient Dieu, c'est ça. Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou d'absolu qui est lointain. C'est une entité, et c'est l'entité première et la seule existante. Et cette entité première et seule existante, c'est Atman. C'est ce qu'enseignait l'hermétisme. C'est ce qu'enseignait à l'époque, hein, ce qu'enseignaient également les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs à travers Platon, par exemple. Donc, c'est une philosophie pérenne, comme on dit. C'est une prisca theologia, c'est-à-dire une théologie première que l'on retrouve dans toutes les cultures et civilisations. Même si on traverse l'Atlantique pour aller auprès des précolombiens, on retrouvera la même chose. C'est une philosophie atemporelle et éternelle. On retrouve la même chose partout. Voilà, donc retrouver toutes ces, j'ai envie de dire, grande leçon de vie de nos ancêtres à travers les textes qui ont été traduits et commentés par Daniel et complétés par donc une analyse. Vous retrouverez tout ça donc aux éditions Orphelia, O-R-P-H-E-L-Y-A. Et donc le livre s'appelle L'alchimie arabe, le souffle rouge. Oui, ou la transfiguration de la matière. Ou la transfiguration de la matière. Merci à toi, Daniel. On sera très heureux de te retrouver peut-être sur la chaîne prochainement pour tes prochains ouvrages. Et puis, j'étais très content de te retrouver. Donc, merci encore. Voilà. Je te remercie. Je vous montre juste la couverture de l'ouvrage pour ceux que ça intéresse. Le voici, il se présente de cette manière-là. Merci en tout cas, Fabien, de m'avoir invité sur ta chaîne. Je serai heureux de revenir. Voilà, voilà. J'espère que tout a été clair. Sinon, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je regarderai ce qu'il y a sous la vidéo. Voilà, ce sera diffusé ce soir à 20h30 sur la chaîne Histoire et Conscience. Et donc, je t'invite à être présent également pour pouvoir répondre aux commentaires tout à l'heure. Voilà, je t'enverrai. Avec plaisir. Merci voilà. À toi, Fabien. Donc, paix à tous. À très bientôt sur Histoire et Conscience. Au revoir à tous. Bye.